que vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamez-le. Chez nous les Ivoiriens, quand on doit faire les choses, on les fait bien. Yes, amen. Ouais, on ne fait pas t'aimer pour pouvoir donner. Parce que tu sais, il y a des gens qu'on dit, il faut acclamer les seigneurs, parfois ils ne savent pas qu'ils sont en train d'acclamer. Yes. Tu vois, si nous sommes ici, actuellement il y a des gens qui sont sous son, qui sont couchés quelque part là-bas. Je ne sais pas si c'est... Bon, même si on dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Mais on sait que ça lime quand même. Et si ça lime quand même, mais toi tu as pu te déplacer. Dieu t'a fait grâce. Il y a quelques jours, on a dit quelqu'un bon. Que le Seigneur puisse soutenir aussi la toi, tu vois. Parce que nous avons perdu un grand homme. Mais on a vu que dès qu'il a eu quelque chose net, il s'est déplacé en jet. Il est parti quelque part pour prendre des soins. Il est parti, c'est-à-dire on a même des personnes qui peuvent aller. Bon, je ne sais pas, mais ils se donnent des soins comme ils peuvent. Yes. Mais pendant ce temps, toi, tu dors quelque part où je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des moustiques qui te piquent quand tu es réveillé quelque part là-bas. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais, je connais pas bien ta vie. Mais ce que je sais, ce soir-là, ce matin-là, ta vie va changer. Voilà. C'est dans ça là, tu arrives à t'arrêter, tu arrives à respirer, tu n'es pas parti à l'hôpital. Amen. Et quand on dit d'acclamer le Seigneur, tu es en train de l'acclamer comme. Et puis, bizarrement, c'est dans les mairies, on voit les gens bien acclamer. Pour une chose qui ne les concerne pas, les gens sont en train de se marier là-bas. Ah! Bon, moi, je ne comprends pas ça. Pourtant, ici, il y a quelqu'un qui peut changer ta tête. Ah! Je ne connais pas encore peut-être ta position. Je ne sais pas quelle est la position. Tu as pris quelle position pour venir ici? Parce que moi je ne peux pas concevoir quelqu'un qui laisse son lit, qui dit je m'en vais rencontrer le Seigneur et qui vient dormir sur une chaise. C'est pas possible. Tu as laissé le lit, tu t'es déplacé, tu dis je m'en vais laver. On te donne chaise. On est parti louer. On dit faut t'asseoir. Pour être béni, tu viens dormir sur la chaise. C'est pas possible. Regarde. À partir de cet instant possible, il ne faut plus dormir. Parce que il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Et c'est pour ça que je vais compter jusqu'à 3. Nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas l'acclamer comme tu l'as jamais acclamé. Tu vas l'acclamer de toutes tes forces. Tu vas l'acclamer avec conviction. Et ça va acclamer le Seigneur sur une adoration. C'est une adoration que tu es en train de faire. Dieu recherche les vrais adorateurs. C'est pour ça que si tu l'acclames dans le faux, il ne peut pas aussi te réveiller. Une fois, je me suis retrouvé quelque part. Il y avait un candidat qui venait dans le lieu où j'étais. Bon, affaire de politique, je ne lui connais pas. Mais écoutez, quand on a vu des voitures, on a vu des gendarmes qui étaient en train de venir, on a vu des ceci qui étaient en train de venir, et quand lui-même il est arrivé, il est sorti, même si tu ne l'aimes pas, tu te retrouves en train d'acclamer sans le savoir. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu l'aspect de la gloire de Dieu. Et quand quelqu'un ne connaît pas l'aspect de la gloire de Dieu, c'est pour ça qu'il peut acclamer moyennement. On dit c'est Dieu, il sait, les 24 vieillards se prosternent devant lui. C'est un Dieu qui n'a pas de semblable. C'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je n'ai pas dit c'est un Dieu qui a créé des immeubles. Voilà. Je n'ai pas dit la contre. Non. J'ai dit c'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est Dieu descend dans sa gloire. Bon, toi, tu n'arrives pas à voir cette gloire. Je compte à 3. Est-ce que tu peux déjà lever tes mains? 2. 2 et demi. Après toi, acclamez le roi des rois.
J'ai dit toi. Est-ce que mon ami, Dieu ne nous a pas mis en prison. Est-ce qu'il nous a mis en prison? Tu es en train de t'emprisonner. Il va prier pour toi. Toi-même, tu es en prison. Est-ce que Dieu a demandé quelqu'un de se marier? Tu te maries pour un fils, c'est toi. Aïe, aïe, je comprends pas. Alors, c'est un couple béni. Je les aime beaucoup. Je les aime de loin comme des prêtres. Et vraiment, vous savez, nous dirigeons un mouvement d'évangélisation, nous prenons beaucoup des âmes. Et ce qui fait que le Seigneur nous demande de faire au moins certaines choses. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, ah vraiment mon frère, je suis en train d'organiser un programme. Je n'ai pas hésité à lui dire oui. Je n'ai pas hésité à lui dire. Regardez, il y a des gens qui servent Dieu peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont reçu leur appel qui sert Dieu juste comme ça. Bah oui, juste même il y a déjà, je viens là-bas, je... Non, mon frère, écoute-moi, c'est ce qu'il a dit. Quand Dieu ne te positionne pas quelque part, et toi-même tu t'élèves pour aller te positionner, et Dieu n'est pas là-bas, tu vas là-bas cadeau. Tu es en train de partir, donc toi-même tu es en train de te conduire. Malgré que la personne n'est pas là, mais toi, tu sais qui? Ou bien tu descends, ou bien tu sais Dieu. Donc si tu es en train de desservir, c'est normal. De la même manière que quelqu'un peut trouver Gombo dans la batterie. C'est comme ça que moi je vois souvent certains qui cherchent Gombo. Comment tu peux chercher? Comment la prédication peut devenir Gombo? Raison pour laquelle les gens, bon, souvent il va quelque part, il entend le message et puis lui-même il revient, il se demande, mais il dit amen, mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a? Est-ce qu'il a compris même? Parce que ce qui va te transformer, c'est la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Amen. Et aujourd'hui, comment on peut... Comment c'est grave. Et alors, moi, je demande toujours l'approbation de Dieu avant de faire quelque chose. Quand il m'a donné le thème, je venais juste de traiter quelque chose de semblable pour cette année. Regardez, ce thème-là, si tu l'as compris, tu as compris toutes choses de la vie chrétienne. Amen. Sur le centre, je peux dire sur le centre, c'est qu'on dit l'amour, tout ça là. Mais la manière, il a tellement bien expliqué certaines choses. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, comme nous sommes là pour se compléter, je vais encore compléter certaines choses pour que tu puisses comprendre. Amen. Alors vraiment, je suis très heureux d'être ici au CAN. Amen. Je me sens chez moi. Amen. Voilà. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur parce qu'il s'est juste consacré le dimanche passé. La consécration était palpable et réelle. Il y a une dame qui m'a marqué, elle a dansé d'une manière sérieuse. Est-ce qu'elle est là ce soir? Amen. Non, tout à l'heure, j'ai prié pour elle. Amen. Alléluia. Elle m'a marqué, pendant la scène qui a permis à ce que le ciel s'ouvre, c'est-à-dire que je puisse voir clair dans l'affaire des cadres. Que je puisse voir les anges en train de défiler dans le souvent quand tu vois quelqu'un en train de danser, c'est ce que Mika a fait. Aujourd'hui devant Dieu, on a des personnes pour danser devant Dieu, c'est-à-dire bon tout ça. Et toi tu connais pas la valeur de Dieu. C'est dans Maki, oui, quand c'était dans Maki, c'est là que tu pouvais danser. Hein, devant, comme tu sais que quelqu'un te regarde. Maintenant on dit Dieu te regarde. Et toi tu. Est-ce que cela fait en sorte que nous vraiment. Sois là où le Seigneur t'a positionné. Si le Seigneur a mis un leader devant toi, il sait pourquoi il a positionné là. Sois à ton poste. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait des choses plus grandes que lui. Tu peux faire des choses plus grandes que lui-même. De passer. Mais Dieu aime l'autre. Là où il t'a placé, c'est là où tu dois être. Il ne faut pas chercher. Alléluia. Voilà. Parce que la consécration dont on a fait, c'est vrai, il y a certaines personnes qui disent, c'est pas maintenant, écoute, ce n'est pas l'homme qui consacre, l'homme reconnaît ce que Dieu a déjà fait. Amen. Il dit, depuis le ventre de ta maman, moi je t'ai aidé à consacrer. Donc l'homme ne vient, l'homme vient simplement pour reconnaître, c'est-à-dire que Dieu avait déjà fait le travail. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec les choses sacrées. Parce que dans consacrer, il y a les choses sacrées. Yes, quand tu t'habitues à l'onction, bon. Après, quand ça te plaît, c'est pour dire non, vraiment, Dieu n'existe pas. C'est pour ça que ce soir,
je vais dire à certaines personnes, laissez les démons en paix. Souvent, je suis gêné, peiné quand je vois certaines personnes en train de lutter avec des gens qu'on dit on a déjà vaincu. Et donc, c'est comme si tu es en train de réduire le travail de Dieu. Il finit de te dire, moi j'ai déjà vaincu, tu reviens encore sur la même chose. Donc, c'est toi, tu as bien vaincu. Hein? C'est que si Jésus n'a pas vaincu, toi tu as venu, toi tu vas gagner quelque chose. Bon, si Jésus n'a pas vaincu, voilà comment certaines personnes. C'est pour ça que la Bible n'a pas dit vous allez connaître la prière, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va vous affranchir. Je tiens à dire que quand elle a dit nos prières, les gens pensent que c'est un homme de prière. Mais on est en train de vous montrer que c'est pas seulement quand tu rentres, tu es en train de parler. Non, il faut connaître les principes. Avec Dieu, là, c'est des principes. Si tu ne connais pas les principes, tu vas tourner là. Tu vas tourner en haut. Tu vas tourner en haut. La dernière fois, le Seigneur entend, il est. Dieu parle à tout moment, à chaque instant. Dieu parle à tout moment, à chaque instant. Partout, Dieu parle. Regardez, souvent même quand certaines personnes viennent donner ici, tu veux savoir si quelqu'un va aller loin ou bien s'il ne va pas aller loin. Tu rentres dans la cour de quelqu'un, d'un président ou bien d'un quoi. Tu envoies un présentateur, ce que tu peux envoyer. C'est vrai, aujourd'hui, il y a eu le faux. Mais l'ennemi, Satan, va envoyer le faux pour vous faire douter du vrai. Et ça fait qu'aujourd'hui, même quand on vient donner, c'est une adoration qu'on prend, bon, juste comme ça. C'est dit, tu viens là, bon, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, faire un culte et donner quelque chose tellement que tu méprises. Parce que ça ne te tient pas, que donc tu jettes ça comme ça. Tu as jeté quelque chose comme ça dans la main du président. Et c'est ce que tu viens donner à Dieu. C'est comme si Dieu se nourrissait de ça. C'est pour ça, mon prophète, moi j'ai déjà dit. J'ai dit, le ministère ne peut pas me nourrir. Parce que en moi, il y a quelqu'un qui vit en moi. Et cette personne-là, ça lui capte. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Comment toi tu fais pour adorer Dieu? Je bénis le nom de Dieu pour ces personnes-là qui me suivent et vraiment qui, avec qui je travaille. Voilà. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu est placé, il y a toujours quelqu'un que Dieu place auprès de lui. Et cette personne le soutient. C'est le serviteur de Dieu, Blaise Syriac. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa vie? Alléluia. Voilà. Il dirige un grand groupe de jeunesse de l'Assemblée de Dieu de Cocody. Alléluia, la grande église. Et le peuple, il a choisi son peuple. Ils ont négligé cette présence pour prendre conscience de l'ennemi. Et tous sont morts dans les déserts. Ton ennemi n'est pas le diable. Satan est trop petit. Satan est trop petit pour pouvoir contenir la puissance et la présence de Dieu. Et tu dis non, le diable, comment le papa de ta famille peut te bloquer? Les gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas le Saint-Esprit arrivent à faire certaines choses. Et toi, tu dis non, on te bloque. Regardez, dans le livre de Genèse, Dieu va mettre quelque chose. Genèse chapitre 3, on n'a pas assez de temps. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup lire. Comme on a lu un peu de textes, je vais avancer avec les textes que mon frère a dit pour pouvoir aussi apporter ma contribution. Quand il lit ce passage, Dieu dit, je mettais inimitié. C'est Dieu lui-même qui est en train de mettre par là. C'est Dieu lui-même qui est en train de mettre par là entre la femme et le diable. C'est Dieu qui est en train de mettre par là. C'est pour ça que le premier ennemi de Satan, ce n'est pas d'abord l'homme. Le premier ennemi de Satan, c'est la femme. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez la personne dans ce monde ici, la personne qui est beaucoup utilisée, la personne qui est beaucoup méprisée, la personne qui est beaucoup torturée, c'est la femme. Chaque jour tu entendras, c'est parce que tu es ici à Abidjan que tu ne sais pas que chaque jour il y a au moins 1000 viols quelque part. C'est parce que tu es à Abidjan que tu ne sais pas que chaque jour il y a des maris qui battent les femmes. C'est parce que tu es à Abidjan que tu ne sais pas que les gens qui ont dit à leur femme je t'aime plus que tout. Où tu es là, il y a poumon ici, il y a autre poumon là. C'est-à-dire que tu es mon devant, tu es mon derrière. Mais quand il rentre dans la maison, la même femme qui l'a dit tu es mon poumon devant, derrière. C'est cette même femme là, c'est cette même femme là, il prend un coup de poing, il forme. Et puis il commence à tabasser cette femme. Satan est la femme. À cause du fait que la femme est le secours de l'homme. Quand Dieu envoie un secours, il n'envoie pas quelque chose de plus faible.
Parce que quelque chose de plus faible ne peut pas venir aider quelque chose qui est là selon Dieu. Ce n'est pas possible. Je vais aller dans autre chose, puisque nous sommes en train de parler de la postérité de la femme. Écoute-moi, quand Dieu a déclaré que sa postérité va t'écraser la tête, et toi tu vas lui blesser le temps. Souvent quand il regarde dans les malédictions que Jésus a prononcées, les seules choses que les gens aiment prendre là, c'est tu vas accoucher avec douleur. Oui, ça on voit ça, c'est clair. Pour moi ça c'est une maladie. Tu vas manger à la sueur de... Oui. Mais pourquoi cette parole là? Pourquoi cette parole? Vous ne voulez pas prendre ça aussi pour mettre... Ou bien ça ne fait pas partie de la vie. Ça ne fait pas partie... Voilà la malédiction. Voilà souvent des malédictions que toi tu dois prendre pour dire « Je suis maudit. » Mais toi tu ne veux pas ça. C'est où ta maman t'a dit ta grosse tête, on dirait une pirogue. Ah, c'est là, maman m'a maudit. Maman m'a dit, ah! Mais quand tu regardes où Dieu est en train de dire, ta postérité va écraser la tête du serpent. Et toi, tu vas blesser. C'est pour ça que tu ne peux pas changer le travail de Satan. Parce que c'est ce qui lui était déjà donné depuis le commencement. De la même manière, tu ne peux pas changer le travail de Satan. C'est de cette même manière que tu ne peux pas aussi changer le travail de la postérité de la femme. Tête du serpent doit blesser la postérité de la femme. La postérité du serpent doit faire quoi? Tu parles pas bien, tu parles pas bien. Actuellement, tu es en train de passer à ton lit, je ne sais pas d'où il dort. La postérité du serpent doit faire quoi? La postérité de la femme doit faire quoi? Entre blesser et écraser, c'est quoi qui est grave? Je dis entre blesser et écraser, c'est quoi qui est grave? Mais pourquoi tu dis tu vas mourir dans cette situation? Pourquoi tu dis tu vas mourir tel que tu es là? C'est normal, parce qu'il faut que la situation se présente. Parce que si la situation ne se présente pas, je n'aurai pas l'occasion d'écraser. Si la situation ne se présente pas, je n'aurai pas l'occasion de... Comment tu conçois cette parole déjà? Comment tu prends cette parole pour que cette parole puisse vivre en toi? Comment tu vois la parole de Dieu? Voyez-vous, ça fait qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont pris la Bible, qui ont mis de côté, et aujourd'hui, ma maman était morte comment? Par accident. Mon papa était mort comment? Par accident. Moi-même, il y a un accident, ma loupé. C'est un peu aujourd'hui, là. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. J'ai tenté de causer avec une dame. Et la dame, je me rappelle, la dernière fois que j'étais venu là-bas, c'est là que j'ai retrouvé les vrais frères ivoiriens. Elle me dit, on ne sait pas si le pays est bleu, si c'est rouge, ça, tu sens que c'est ivoirien qui est là. Si c'est ça, si c'est pas ça, Alléluia. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'as pas compris cette parole. C'est pour ça que tu es en train de tourner en... C'est pour ça que tu es en train de tourner. Maintenant, quand Dieu est en train de donner cette prophétie, il a dit ta postérité va blesser et la postérité de la femme va écraser. Cette prophétie, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, est en train de révéler déjà quelqu'un. Et cette personne, vous allez le retrouver dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, on vous parle, à partir du verset 1 jusqu'à 6, on vous parle d'une femme qui doit mettre au monde un enfant. Et cet enfant-là va venir perdre son peuple. Mais lorsque cet enfant va arriver, les dragons vont aussi s'élever. Et lorsque les dragons s'élèvent, en réalité, ils s'élèvent pour faire le travail qu'on lui a déjà dit dès le départ. De quoi on lui a dit, mon ami, tu dois blesser. Mais lui, dans
blessure. Il est parti jusqu'à l'enterrer. C'est dit, c'est grave. C'est grave. On a dit, tu dois me blesser. Est-ce qu'on a dit, tu dois m'enterrer? Ah! Lui, il a pris. Lui, il veut changer la parole de Dieu. Il veut changer les données de Dieu. Tu as dit, tu dois me blesser, mais tu ne dois pas m'écraser. Et c'est ainsi qu'il va partir jusqu'à enterrer, mettre là. Il dit, bon, j'ai inversé les rôles. Cette fois-ci, c'est moi, j'ai écrasé. Or, la parole qui est déjà sortie de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à lui. Et lorsque Jésus était déjà là-bas, la prophétie s'est révélée. Automatiquement, de Genèse, chapitre 3, verset 15, qui dit, la postérité du serpent va blesser, mais la postérité de la femme va écraser. Et vous savez, Dieu a choisi effectivement, comme les orateurs l'ont dit tout à l'heure, Dieu a choisi la postérité de la femme parce que ce n'était pas la femme qui avait péché, mais c'était l'homme qui avait péché. Parce que le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. La femme n'avait pas reçu de consigne. C'est l'homme qui avait reçu de consigne. Et Dieu ne peut pas sortir de quelque chose ou bien d'une chose où il y a déjà le péché. Qu'elle est en train de vous parler. Oui, c'est l'homme qui a perdu sa responsabilité. C'est pour ça le choix de Dieu s'est transporté vers la femme. Et c'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Lorsque Dieu est descendu, il a donné des sentences. L'homme même s'est dit, quand il regarde, on dit, tu es poussière, tu es la poussière. Alors qu'on dit, le serpent doit se nourrir de quoi? De poussière. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est comme... Comment? Tu vois, quand il regarde, il dit, mais c'est pour ça qu'un homme, je vous dis la vérité, quel que soit le domaine, quand il décide d'être engagé avec une personne, quand un homme néglige sa femme, cette personne ne peut pas réussir. Impossible. Que tu sois du monde, que tu sois en crise, une personne qui décide de s'engager, c'est-à-dire tu décides de t'engager, et puis tu négliges celle qu'on appelle l'aide. Comment est-ce que ton aide, c'est elle, pour t'aider à réaliser? Mais comment toi tu peux négliger? C'est pour ça, tu vois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont vraiment garçons. C'est-à-dire qu'ils font la vie et se disent que vous allez dire je suis garçon. Mais arrivé à certains moments donné, tu te rends compte que tu n'as pas été garçon. C'est pour ça qu'on a des témoins. Aujourd'hui, on a plusieurs enfants. Donc le père, c'est dit quand toi tu entends tes moyens, tu dis, ah le papa lui aussi, il avait tout ça. Souvent même tu as dit de Dieu petit, tu vois, ton papa n'a pas eu ça. Ah, tu regardes la souffrance que le gars a été dans Dieu, et puis le père, hein, moi mon père avait jet privé. Ah, ah, c'est dit, toi même tu entends de suivre ta. Ah, quel jet privé. Tu sais, moi mon papa là. Ça a toujours été comme ça. Parce que les gens qui ont encore leur papa qui ont un peu de vie, c'est pas moi mon papa là. Si tu vois quelqu'un qui a en train de te rencontrer une histoire, qui ne pourrait pas, moi mon papa là, faut oublier les restes. C'est-à-dire que les gars étaient en haut. Et puis la chute, quoi. Bam, 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 bam. Ça chute là, tout le monde était en train de voir. Et puis tout le monde était en train de crier. Ah, bah. Parce qu'en réalité, cette personne n'a pas su considérer un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, cette personne n'a pas su considérer la personne que Dieu a mise à côté. Regardez, c'est simplement par la femme que l'enfant, parce que le diable a utilisé la source que le Seigneur avait mis à côté pour donner des conseils, pour donner un certain nombre de choses à l'homme. Le diable a utilisé cette source-là pour lui transmettre une nature. C'est-à-dire, il a mis une nature dans la femme. Lui, sa nature là. Il fallait qu'il transmette cette nature dans la femme pour que la femme puisse aller. Parce que c'est la personne. Regarde, même jusqu'aujourd'hui, tu vas avoir un homme de prière, comment, mais il communique beaucoup avec plus avec sa femme. Il passe beaucoup plus du temps avec. C'est clair. C'est-à-dire, si tu parles avec Dieu, c'est vrai, tu parles avec Dieu, mais la personne avec qui tu passes plus du temps, c'est ta femme. Le diable dit, comme c'est la source,
que l'homme écoute matin, midi, soir. Comme c'est la source, que l'homme, c'est-à-dire, puisqu'il s'informe de cette source, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désorienter cette source. Et il a pris sa nature, il introduit cela. C'est pour ça, quand une femme n'est pas de Dieu, quand elle commence à démentir, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que c'est. Quand une femme n'est pas convertie, les hommes même, tu peux les attraper. Je vous assure, les hommes, les femmes, souvent, elles savent que cet homme est en train de mentir. Parce qu'elles-mêmes, la nature. La nature. Qu'est-ce que ça sort là? Je sais que lui est en train de me. Je sais qu'il est en train de me. Il n'est pas que moi je suis né hier. Je suis né depuis Ève. Quand ça était, il est en train d'entrer dans mes pas. Est-ce que lui il est en train de... Il dormait là-bas. Il est en train de dormir là-bas. Et c'est comme ça le diable a su introduire cette source-là. Et depuis qu'il introduit cette chose-là, la postérité de la femme, Dieu est en train de regarder. Parce que Dieu devait soigner cela. Dieu devait soigner cette source-là. Parce que la langue de la femme qui doit communiquer avec l'homme en longueur de journée, Satan est venu, il a mis quelque chose. Dieu dit non, je vais réparer cela. Et quand on tombe dans le Nouveau Testament, on voit la réparation de comment est-ce que le Seigneur a réparé cette chose-là. Déjà d'ailleurs, le Seigneur, puisque cette promesse devait se réveiller déjà dans la tombe, cette promesse s'est réveillée, tout simplement pour qu'il puisse écraser la tête du serpent. Mais quand Dieu a fini d'écraser la tête du serpent, le Seigneur s'est retourné, il s'est réveillé. Il a fallu aller dire à Pierre, pour lui dire que Pierre, je viens de ressusciter, il dit non. Il s'est rappelé d'une chose. L'aile que j'ai mis auprès de l'homme là, le diable a donné une information un peu bizarre. La première personne à qui je vais me révéler, ça ne sera pas Jean. La première personne à qui je vais me révéler, ça ne sera pas Pierre. Il dit Marie de Magdala, Marie de... Ah! La source que l'ennemi Satan va y changer, qui a donné une mauvaise information. C'est cette source-là qui a donné l'information de la résurrection. Tout ce que l'ennemi Satan veut tuer dans la vie de cette dernière est revenu prendre possession parce que la promesse d'écraser la tête du serpent venait de s'accomplir. Je suis venu dire une chose, écoute-moi. Dieu ne passera pas par autre chemin. Ce qu'il a déjà dit sur ta vie, quel que soit le décès grave que l'ennemi Satan avait déjà accordé, quelle que soit la source que l'ennemi Satan avait déjà accordé, c'est de cette même source que le Seigneur va passer pour envoyer une résurrection ce matin. Pour envoyer une résurrection ce matin. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui vont connaître cette résurrection dans leur vie. Écoute-moi, je n'ai pas besoin qu'on puisse me dire non, voilà il y a certaines choses, voilà il y a ceci, voilà il y a cela, parce que je sais la parole de Dieu. Écoutez, vous voyez dans l'Ancien Testament, parce que cette parole que le Seigneur avait dit devait prendre forme à partir de Jésus, parce que c'est Jésus qui devait écraser la tête du serpent, et à partir de Jésus, lorsqu'il vient s'introduire à nous, puisqu'il a déjà écrasé la tête du serpent, on n'a plus besoin de fournir de vous. On a simplement besoin de lui montrer les résultats qui a déjà été fait. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, quand tu parles d'Élie et d'Élisée, il ne pouvait pas chasser les démons. Les David, même David, on dit il vient et puis il entre dans la douche un démon. Mon prophète, c'est pour des choses. Ah, il vient l'entrée de Jean. Non, David était un grand roi. Quand il dansait, quand il louait, sa louange entrait dans tout ciel démon. C'est-à-dire, les démons qui s'agitaient trop. Quand il vient qu'il entrait de jouer, les démons. Parce que la parole d'écraser la tête du serpent n'était pas encore accomplie. Tu prends Élie, tu prends Élisée, ils ont fait descendre le feu. Mais regarde, Élisée,
il vient. L'ennemi Satan passe par les enfants pour pouvoir se moquer de lui. Hey, il s'élève. Ah bon. Comme il ne peut pas chasser les démons qui se trouvent dans les enfants, il les tue. Parce qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité de regarder les enfants et de voir que derrière, il y a un démon qui est là. Il dit, allez-y, je vous chasse au nom de Jésus. Il dit, j'ai pas cette capacité. Les ours là, où ils sont? Venez les tuer. Tu regardes Moïse. Moïse prêche matin, il monte. Vous ne devez pas prendre les femmes étrangères et que le peuple dise amen, amen. Vous ne devez pas. Ah, Moïse sort et puis rien, il voit une étiopie. Il dit, ah, ma petite pardon. Il vous dit, viens. La petite dit, mais je suis éthiopien. Toi, c'est moi le leader ici. Tu as quel problème? C'est pour ça que quand les gens du Nouveau Testament, quand les gens de la postérité de la femme de maintenant, ils réfléchissent comme les gens, c'est, je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais est-ce normal? Parce que la prophétie, c'est un pas quoi accompli. C'est normal. Il n'arrivait même pas à chasser un démon. S'ils arrivaient à chasser un démon, Jésus n'allait pas dire en mon nom, vous chasserez les démons. Parce que si ça existait déjà, il n'allait pas nous dire maintenant que vous allez chasser les démons. Mais attends, cette promesse s'est accomplie à partir de la mort de Jésus. Et à partir de là, il nous a donné la clé. Il a dit maintenant, quel que soit l'endroit où les serpents se trouvent, je l'ai déjà écrasé. Je l'ai déjà piétiné. C'est pour ça que vous chasserez les démons. Lorsque tu vois un démon, il n'y a pas de discussion. Lorsque toi tu viens à droite, lui passe à gauche. Lorsque toi tu viens à gauche, lui passe à droite. Maintenant, dis-moi, comment cette personne-là, tu peux te baser sur la vie des personnes des Anciens Testaments pour vivre toi ta vie. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ne vivent seulement à une femme. Et la nouvelle créature. Le péché là. C'est pour ça qu'il dit, il y a des gens qui ont vraiment été recréés et il y a des personnes qui ne sont pas encore converties, mais qui disent qu'ils sont chrétiens. Il t'a giflé au lieu de dire bonjour, tu dis bonsoir. Mais écoutez, David arrive. Et lorsqu'il arrive, il dit, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter Dieu? Mais quel est cet insulte? Il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi? Lui là, il comptait sur quoi? Il compte sur quoi? Dans ton corps là, il y a le péché dedans. Dieu n'habite pas à l'intérieur. Maintenant, tu comptes sur quoi? Et c'est pour ça que cette génération durera beaucoup de temps. Il faut bien comprendre l'Ancien Testament pour comprendre aussi le Nouveau Testament. De la postérité de la femme qui va écraser la tête. Est-ce que cette parole-là s'est accomplie pour les gens de l'Ancien Testament? Mais regarde Moïse. Moïse sort et dit gardez silence. Il dit gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et pendant ce temps, Dieu n'est pas en eux. Simplement sur eux. Simplement. Tu regardes les hommes de Dieu comme les Élie. Déjà, Élisée, malgré que les démons, ou bien c'est un homme, Élisée était colérique. Il a hérité même. C'est même chose. Il voit son serviteur qui revient, qui n'a pas. Parce qu'il est parti vers. Il dit, ah, il a pris la maladie qui était sur l'eau. Il dit, ça s'attache. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas les en vouloir. Parce que Dieu ne dépend. L'amour, là, c'est une personne qui s'appelle Dieu. Et cette personne n'était pas en eux. Donc, il ne pouvait pas manifester cela. C'est pour ça qu'ils étaient collés. C'est pour ça que Moïse pouvait monter. Il revient, malgré qu'il a passé 40 jours, 40 nuits. Mais lorsqu'il revient, il brise la colère. Il revient et puis brise. Mais pourtant, pour nous, on n'a pas besoin de 40 jours. On n'a pas besoin de 40 nuits. On a simplement besoin de dire Seigneur Jésus. Comme nous-mêmes, on en a l'habitude de faire. Je reconnais. Cette personne-là, Dieu est dans ta vie. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il dit, maintenant, mon ami, maintenant, tu vas chasser les démons. Yeah! La postérité du serpent. On a plus dit qu'ils vont venir nous blesser.
on dit tu vas les chasser. Il n'y a plus de blessure. Quand je croise les gens, ah! Hey, tu négocies les démons. Ah, même la bénédiction est lancée comme acclame le Seigneur. Comment une personne qui se dit non, moi je suis renouvelé. Comment une personne qui est en train de dire, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu dis c'est Christ. Christ. Mais c'est Christ là en train de dire non, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Ça ne va pas arriver. Est-ce que tu te vois? Si j'ai dit demain, tu vas travailler, tu te vois en entreprise. Amen. Tu ne te vois pas? Tu ne te vois pas? L'homme de Dieu quitte la paix, puis il vient et puis il dit à l'officier. Pourtant, c'était très difficile. Dans tout un pays, il n'y avait pas la nourriture. Il vient et puis il lui dit, roi, il n'y a pas la nourriture. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça, c'est pas mon problème. Mais demain, même heure, le ciel va s'ouvrir. Comme tout à l'heure, le ciel est en train de s'ouvrir. Je dis le ciel est en train de s'ouvrir. Je dis le ciel est en train de s'ouvrir. Je dis à quelqu'un, le ciel est en train de s'ouvrir. Écoute-moi, je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas par quelle manière. Aucune personne ne pourra arrêter le ciel sur ta vie. Il y a une pluie qui est en train de s'annoncer. Cette pluie vient arroser ta vie. Il y a une pluie qui est en train de s'annoncer. Cette pluie vient arroser ta vie. Il y a une pluie qui est en train de s'annoncer. Cette pluie vient arroser ta vie et ta destinée aujourd'hui et maintenant même au nom de Jésus. Regarde. Je regarde dans l'Ancien Testament. Je vois comment cet homme-là arrive à faire des miracles. Pendant ce temps, Dieu dit, écoute, je viens seulement sur vous hein, parce que je ne peux pas habiter. Il faut que je trouve d'abord une solution. Cette prophétie-là doit s'accomplir d'abord. Quand je serai en eux, ça sera le double de ce que je faisais dans l'Ancien Testament. Parce que maintenant, ce n'est plus eux, mais c'est moi qui suis là. Dans cette promesse d'écraser la tête du serpent, c'est accompli. Jésus l'a accompli. C'est pour ça que quand vous regardez Golgotha, le lieu où ils ont crucifié Jésus, c'était le lieu des crânes. Pour montrer et symboliser une chose, je suis venu terminer le problème de l'humanité. Une bonne fois pour toutes. Après Jésus, quelqu'un ne doit plus parler encore. Je suis en bas. Après Jésus, quelqu'un ne doit plus dire encore. Je suis dans la souffrance. Tu ne peux pas le dire. Parce que quand tu le dis, tu es en train de dire c'est Dieu qui est dans la souffrance. Même quand il s'est présenté à moi, il dit je suis. Comment tu peux dire je suis? C'est pour ça. Écoute, ne marche pas avec quelqu'un qui ne voit pas grand. De marcher avec toi pourquoi? Dis-moi. Tu dois marcher avec toi. Hey. Non, si on fait ça pour Dieu, demain on va plus avoir à manger. Ah bon, hein? Quand l'homme de Dieu est venu dans la maison de cette dame-là, elle dit, c'est fini de manger d'ailleurs. Quand elle a dit je vais mourir, cette parole-là dit à Adessa. Ce n'est plus la nourriture qui a tué l'enfant, mais c'est autre chose qui est venue tuer l'enfant. Dieu a voulu lui montrer, ce que tu penses que ça a te tué, c'est pas ça qui a te tué. Ce que tu es en train de réserver pour penser que ça a fait ta vie. Je disais à certaines personnes, j'ai dit, écoutez, avant Corona, c'était dur. Mais c'est pendant Corona que Dieu va débloquer la vie de ses enfants. Je vous donne une prophétie. Écoutez-moi. Cette décennie, ce n'est plus une décennie où on va voir les païens qui sont encore. Les esclaves vont descendre chez vous. Je dis, ils vont descendre de chez vous. 50 personnes qui disent qu'ils croient en Dieu, qui n'arrivent pas à réaliser un programme. On dit non, Jésus, elle convient, sinon on est en train d'acclamer. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'argent te dit, il faut arrêter d'acclamer, tu acclames quoi? Toi, tu es en train d'acclamer quoi? Et puis tu regardes ces personnes-là, parce que l'amour de Dieu, tu penses que c'est un acclamant. L'amour de Dieu, c'est de résister au péché. Là. Tu ne résistes pas au péché, puis tu viens, miam, miam, oh, waouh. C'est comme quelqu'un, comme il sait que l'enfer existe, et puis le feu va me brûler. Attends, il y a le feu, mais oh, au revoir. Mais tu es simplement venu à l'église parce que tu penses à l'enfer. Sinon, c'est pas parce que tu as compris la réalité des Écritures. Écoute, je ne suis pas venu à l'église simplement pour venir.
Si c'est ça, on va rester dans le monde. Hein. Si la vie ne doit pas. Non, sois sincère. Sois sincère, même bien. Il dit bon, attends, Jésus, tu veux nous ramasser un jour. Et puis le tout ça dessus, bon, maintenant, on a tout laissé, on va où? Il dit, attends, j'ai l'impression comme si, est-ce qu'on avance même, waouh, recule, what? Ou bien c'est comment? Les païens sont en train de danser, on ne force pas. Et puis, ils aussi les cahiers, ils ne forcent pas. Mais quand ils reviennent le soir à la maison, Satan lui dit, faut forcer. Et puis, quand Satan lui dit, faut forcer, il est lui. Pendant ce temps, écoute-moi, quand il est arrivé à 3h, lui, païen va déranger son sommeil. Il a fait chanter, il ne force pas. Bon, comme toi aussi, tu n'as pas compris ça. Et en force, tu n'as pas encore compris le secret de ça. La postérité de la femme. Après la résurrection de Jésus, cette parole est devenue réelle. Aucune personne ne peut me dire que moi, c'est pour ça que moi, tu me dis, je suis maudit par rapport à quoi? Tu es maudit et puis c'est pas sur le passage de hey, regarde hey, Jacob était maudit parce que Jacob n'était pas encore dans l'alliance où la postérité de la femme devait être la tête du serpent. Donc c'est normal. Tu prends encore qui montre-moi tout et hey, non, ouais. C'est normal, mais malgré ça, ces choses là ne perduraient pas. Maintenant moi on dit non. Tu me dis, je suis maudit par rapport à quoi? Non, tu n'as pas rapport à quoi? Ça fait pas une semaine, j'ai tenté de prier pour une fille là. C'est la fille, comment on appelle ça? En tout cas, d'un monsieur qui est bien placé. Mais ses amis ne veulent pas l'aider pour placer sa fille. Donc, comme ils ne veulent pas l'aider pour placer sa fille, tout ça, donc elle-même est en train de se débrouiller. Elle dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas vraiment trop continuer les études. Je vais travailler. Moi, Dieu. Elle-même peut témoigner. Moi, Dieu m'a fait cette grâce. Si je prie pour toi, même si tu n'as pas travaillé pendant 30 ans, tu as travaillé depuis. Amen. Je te dis la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer. Je te dis la vérité. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Tu n'as pas la vie, tu dis à quelqu'un, reçois la vie. Tu lui donnes quoi? Toi-même, tu es chez toi à la maison. Tu es en train de chercher comment est-ce que tu as mangé gaba à la maison 100 francs matin. Et puis quand tu sors, on dit évangélisation. Mon ami, Jésus, il donne l'or et l'argent. Bon, attends. Avant d'aller loin, pendant que tu entends, il dit, donne l'or et l'argent, là, va me montrer chez toi. On arrive chez toi, tu me présentes Nat. Même si je meurs pauvre, Jésus en moi. Jésus en toi, comment Jésus peut? Dis-moi. Écoute-moi. Quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, c'est un peu comme Jean-Baptiste. Qu'elle était dans le désert, est-ce qu'il se plaignait? Parce que c'était ça. C'était sa mission. Donc, il était dans le désert. Mais si toi, tu es dans le désert, là, mon ami, ton mal manque, bon, je ne sais pas. Voilà, parce que tu dis que c'est ta mission. Mais quand on t'appelle le matin, nous qui sommes un peu plus proches, c'est ceux qui sont dehors, t'as de les monter ta foi. T'as de les, ça va. Quand je me réveille le matin, même si je n'ai pas mangé, je dis alléluia. Mais quand nous on t'avait dit, c'est pas bon, ouais. Mais papa, tu as dit que si tu n'as pas mangé, tu dis alléluia. Donc dis alléluia, ma fille. Même Bambé me fait tomber. Mais pourquoi tu le dis alors? Mon mère, c'est bon. Je sais pas. Mais tu n'as pas encore compris la qualité de qui tu es. C'est pour ça la Bible dit. Mon juste ne vivra pas par des prières, ni par des choses. Mon juste vivra par la foi. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Il te faut croire pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce qu'il a dit mon juste? C'est à partir de quel moment tu es devenu juste? À partir du moment où il t'a justifié. C'est à partir du moment où il t'a justifié. Donc toi qui as été justifié, tu crois à cette justice? Il dit, mon ami, si tu veux vivre par la foi. C'est pour ça qu'il a dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne
peux marcher avec un homme, une femme qui n'a pas confiance en toi. Matin, tu te réveilles, tu dis bébé, il était venu. Tiens, sûr. Le soir, bébé, il était venu. Tiens, sûr. Arrivé un moment donné, bon, j'ai l'impression comme si on n'est pas. Mais c'est la même chose. Tu te réveilles matin, Dieu dit, ma fille, tu es bénie. Je t'ai établi sur le royaume. Je t'ai établi. Mes frères ivoiriens, quand Dieu dit ça, et à la réponse qu'il donne à Dieu, faut pas faire un péché cadeau. C'est dit, je m'apprête à pécher. Parce que ce que tu dis, c'est contraire à ce que je suis en train de vivre. Pourtant, les gens de l'Ancien Testament, quand je regarde comment est-ce que. Un homme comme Samson. Quand on montre Samson dans les films, on monte un paquet. Mon ami, ce n'est pas paquet. L'onction là, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Il ne pompe pas. On voit Samson, il est comme ça. Mais il faut jouer. Il ne t'a pas touché. Quand tu joues à la capacité. C'est pour ça que je dis, quand vous dites que vous avez l'onction, comment quelqu'un, une seule personne, peut terrasser 3000 personnes? Et maintenant, toi, on dit non, ce n'est pas Samson. Ce n'est pas l'onction même qui est sûre. C'est Jésus même qui donne l'onction là qui est en toi. Comment quelqu'un fait à 30 ans et puis il dit, j'ai déjà vaincu. Il dit, petit enfant, écoute, j'ai déjà vaincu. Comment quelqu'un, j'ai déjà vaincu? Toi, tu veux vaincre quoi? Dis-moi d'abord, tu veux vaincre quoi? Tu veux vaincre quoi? Il y a des années passées où l'ennemi Satan, il y a un homme de Dieu qui est venu clairement qui a dit non, je vois les diplômes parce que pour le moment, on est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé ici, les diplômes là, ça ne rentre pas dans la maison, même si là, ça ne rentre pas. Oui, ça ne rentre pas. Bon, comme on avait déjà fini de faire certaines choses, ça ne rentre pas. Et à son âme, j'avais mon frère. L'âme, ce moment venait d'arriver. Donc, lui aussi, il avait passé. Mais il a perdu avec. C'est-à-dire, quand il a perdu, il y avait 5 personnes derrière lui. Donc, elle est revenue dire à la vie, ah, moi, je suis congolais, j'ai laissé 5 ivoiriens. Ne m'engueule pas. Je fais mes efforts. Écoutez-moi. Par la grâce de Dieu, il y a certaines choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce thème. Parce que j'avais déjà compris une chose. La postérité de la femme n'a pas droit à l'erreur. Parce que Dieu a déjà fait le travail. Quand tu as dans la vie, on te donne pénalité et puis tu dis, hey, pourtant c'est 90e minute. Il n'y a pas gardien. On te fait passe. On dit voilà poteau là. Et puis tu prends ballon et puis tu te retournes. J'allais dribbler encore la défense. Même les défenses. Même le coach va dire, dès que tu sors d'ici là, ta maison va brûler ça. C'est ça. C'est-à-dire que nous là, c'est ce qui se passe. Jésus a déjà tout fait. Il te fait passe en or. Il a déjà dribblé le gardien. Il a dribblé même poteau. Mais la seule chose qui te devait, il te dit, mets ton pied. Attends, il est retourné à la défense. Donc, toi-même, tes uns sont les filles, là, tu l'as. Même les uns. D'abord, comme nos frères sont dit, là, tu l'as. Et quand tu vois un ivoirien, il demande comment tu es bête même. C'est ici, il essaie de te demander. Il essaie de comprendre. Toi, ta bêteté là, c'est à quel niveau? Et les uns se demandent. Comment ceux-là ils sont bêtes même? Comment ils sont bêtes? Quand on regarde les gens de l'Ancien Testament, comment ils sont bêtes? Ah! Et les gens continuent dans ça. Écoutez, par la grâce de Dieu, quand moi je suis arrivé, je n'étais pas en classe d'examen. Je n'étais pas en classe d'examen. Je n'étais pas en troisième, je n'étais pas en terminale. J'ai passé les deux examens dans une classe neutre. C'est-à-dire, je connais pas les leçons de terminale. Et pendant ce temps, j'avais une vice-présidente en ce moment-là. Elle était en terminale. Moi, j'étais en première. Elle est venue me voir et dit, vraiment, on doit organiser un moment de jeûne. On doit organiser un moment de jeûne. Par rapport à quoi? Par rapport aux examens. J'ai dit,
comment on peut gêner pour des choses que les païens même ne gênent pas? On est 200 000 candidats. Dis-moi, dans les 200 000 candidats, donc nous tous on en est dedans. Il y a les enfants des féticheurs dedans. Bon, bon, tous se lèvent, on les. Et puis, maintenant, moi, tu veux que je gêne pourquoi? Donc aujourd'hui même, tu vois, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont perdu la notion du jeûne. C'est-à-dire que tu te comportes comme un esclave. Un esclave, c'est-à-dire que quelqu'un, on te dit, c'est ta maison, mais tu es là. On te dit, mais il faut t'asseoir au salon, il faut t'asseoir, tu viens, tu t'assois à terre. Non. Et puis c'est quelqu'un dont la maison, c'est lui qui vient s'asseoir sur le fauteuil. Et puis l'entrée te regarder, et puis il y a l'autre. C'est-à-dire, mais tu crois plus au physique, mais tu ne crois pas au spirituel. Parce que physiquement, si ton papa finit de construire, et puis tu vois un enfant que vous avez accueilli dehors, bien même un enfant dehors, là, il vient s'asseoir dans le fauteuil et puis il te dit, ton enfant t'assoit à terre. Apôtre, ta réaction, ça sera comment? Écoutez, mais là, je vais gifler. Ah! Apôtre dit, il va gifler. Toi, ta réaction sera comment? Ta réaction sera comment? Il y a le gifler. C'est-à-dire, l'apôtre dit, il est giflé, mais il le gifle mal même. Maintenant, il y a des femmes qui sont là, elles sont chrétiennes. Mais ce genre de choses-là, c'est là que tu as vu que l'insulte qui était dans le placard, c'est tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette saleté là? Regardez-moi des imbéciles, des conneries. Maintenant, spirituellement, Jésus te dit, le ciel et la terre m'appartient. L'or et l'argent m'appartient. J'ai déjà écrasé la tête du serpent. Tu vois quelqu'un qui est en train de se balader avec un certain. Regarde, moi quand je passe dans les banques comme ça, là, je vous montre mon secret. Quand je passe dans une banque comme ça, je dis bon, le DG d'ici, quand il a l'argent, il va faire quoi? Il va pour entretenir des petites copines, à moins que. Moi, mon problème là, c'est-à-dire, si tu es chrétien, je vois que tu es sérieux, ton argent, je ne vais pas désactiver ton compte. Oui, je te laisse parce que. Mais quand je vois que c'est pour aller courir derrière les petites, pendant ces temps, nous on cherche à faire de bonnes choses. Si on avait bon l'argent, tout et tout, on aimait tout. Tout allait chic ici. Non? Tu allais venir, tu allais trouver les écrans pendant qu'ils chantaient de parler comme ça, au lieu de dire non, l'homme de Dieu n'a pas donné passage, tu allais voir passage assis l'écran. Je suis en train d'expliquer, je passe. Mon élan, les gars, les autres veulent faire. Papa. Et puis, tu es là. Dieu te dit, applique ton autorité. Quand il dit, applique ton. Toi, tu fais quoi? Il n'a qu'à s'asseoir. Tu crois plus au physique qu'au spirituel. Bon, spirituellement, tu es qui? C'est une question que je te pose. Hein? Spirituellement, tu es qui? Est-ce que cette promesse, tu es sûr que ça te concerne? Promesse là, tu es sûr que ça te concerne? C'est d'ailleurs même une malédiction que tu es en train d'établir. Hein? Donc tu crois la malédiction de la douleur? Il y a accouché à douleur. Oui. Et quand on demande, mais pourquoi vous accouchez à douleur? C'est la malédiction. C'est de cette même manière, je suis béni. Quand tu as me demandé ces malédictions que Dieu a mis sur moi, je suis condamné. Je suis condamné. Où je suis là? S'il y a quelqu'un qui doit dire je force pas, c'est moi. Parce que je suis condamné à ça. Je suis condamné à ça. Je suis condamné. Ah! Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de venir, il y a quelqu'un qui m'a dit tu ressembles à DG. J'ai dit mais je suis DG. J'ai dit mais je suis DG. Ah, c'est mon frère qui est en train de venir. Il est là. Il est là. Heureusement que lui-même il est là. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie et que tu as conservé cette gloire et que tu crois en cette gloire, tu n'as pas besoin de parler. Quand tu sors, de la même manière, les gens ont regardé les disciples et puis ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est de cette même manière, les gens diront, on sent cette gloire ici. Quand tu es en train de marcher, tu donnes même pas envie à quelqu'un de l'église. Dimanche, tu vois chrétien qui est en train de partir à l'église, c'est comme si. Moi, je comprends pas. Quelqu'un pose la question, pourquoi tu es bien habillé? Il dit, mais il travaille pour Dieu. De m'habiller comment? En chocoto.
le côté Chocoto pour venir, non? Ah! Tu vois un chrétien qui est en train de marcher, mais c'est dit, il donne pas envie. Et dit, Bible là même là. Bible là même, elle a attrapé ça quoi. Et puis il met la chanson. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux. Mais lui qui l'a chanté, I can live, c'est-à-dire qu'il dit je peux vivre sans toi. Non, lui, c'est pas pour tes raisons là. Parce que vous devez chanter pour tes. C'est-à-dire, quand toi ça sonne dans ta tête là, c'est je cherchais. Comme on l'a dit dans le chant, je cherchais, cherchais. T'as tellement cherché, donc, comme tu n'as pas trouvé, là, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux vivre sans toi. I can really without you. I can walk without you. Eh ben quand un païen te regarde dans mes filles, tu dis mon frère, y a quoi? Tiens 5 000, va faire quête. Ah! Un païen te donne 5 000 là. Et puis tu dis va faire quête. Et puis quand tu viens, basta, j'ai un témoignage. Attends. Et puis toi, tu viens en témoignage. C'est-à-dire, tu viens rendre témoignage de ça. Matin, je me suis réveillé, il n'y avait rien à manger. Mais quand il était en train de passer là, comment quelqu'un. Écoute-moi. Ils étaient dans la barque. Mais pendant qu'ils étaient dans la barque, on dit l'eau entrait dans la barque. Comment l'eau qui entre dans la barque n'arrive pas à arriver à Jésus? Pourtant, normalement, quand on verse l'eau sur toi, tu te réveilles. Mais l'eau entrée d'entrer dans la barque, ça n'arrive pas à arriver à Jésus. Tu penses que Jésus ne voit pas un certain nombre de choses dont tu es en train de traverser? Mais Jésus ne dormait pas, il est en train de regarder. Mais jusqu'à temps, je vais rester avec toi. Qui va démontrer sa foi? Qui va démontrer en réalité que vraiment, cet homme qu'on est en train de suivre, ce n'est pas des illusions, mais c'est une réalité. Regarde, 21e siècle ici, c'est pas seulement puissance. Hein. C'est pas seulement puissance. Les gens vont se convertir en voyant un certain nombre de choses en nous. En voyant un certain nombre de choses. C'est-à-dire, tant que les gens ne voient pas cela, les gens ne vont pas croire. Tu ne peux pas dire non, vraiment. Moi, je suis enfant de. Tu es enfant de qui? Comme il a posé tout à l'heure là. Toi, tu es enfant de qui? Il faut que tu puisses comprendre ça d'abord. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Si tu n'as pas compris ça, tu vas rentrer à la maison quand tu as fait les mêmes danses. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? À quel moment? Moi personnellement, je ne veux pas jeûner pour ça. Si toi tu veux jeûner, va jeûner. Quand les résultats sont arrivés, et le PDS, et le BAC, et même devant là-bas, les gens ont dit non, BTS, on va. Et le PDS. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas des chefs scolaires. C'est dit façon quelqu'un. Ça. Je connais. Mais pourquoi tu vas connaître ça? Dis-moi pourquoi. Tu crois à ça? Donc tu as vu ça? Quelqu'un qui s'est composé, il a échoué. Tu as échoué? Comment tu peux aller composer et être dans ta tête et échoué? On te dit ce que toi tu as vu là. Faut lire. Et puis va recopier. Bon, toi tu es. Bon, en plus que toi-même tu sais. Hein? Toi-même tu sais que c'est vrai que Dieu va t'aider, mais toi-même tu sais. Toi-même tu sais. C'est comme ça les chrétiens. Tu passes toute la nuit dans la prière et puis tu t'en vas là-bas. Le Saint-Esprit n'a qu'à prendre ta. Mon fils, comment c'est qui A? Comment c'est qui B? Comment c'est qui C? C'est comme ça. Hein? Dieu a fini de mettre tout dans la parole. On te dit, lis la Bible. Et simplement, exerce ce que tu as vu. Comme tu n'as jamais lu la Bible, donc tu ne sais pas. Tu es devant montagne, on te dit, dis à la montagne, déplace-toi. Quand tu es devant. Allô, Yaya, allô là. Allô. Pardon, faut qu'on s'appelle pour vous. Comment tu peux pleurer devant une situation? Il dit, vous êtes de Dieu, mais cependant, vous êtes en train de mourir comme des hommes. Mais c'est normal. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché, lui-même, il sait qu'il n'a pas le pouvoir sur les démons. Parce que la nature que le Seigneur nous a donnée après la résurrection, c'est pas une nature, c'est-à-dire quand tu regardes. Non, mon ami. Comment toi tu fais? Comment toi tu arrives à faire le péché? Moi, on n'est pas encore des vieux, on est encore des jeunes. Mais vous savez, quand tu marches, hein, quand tu marches avec le Seigneur, tu vas arriver à faire là-bas, demander même, oh non, vraiment, tu vas jamais m'entendre quelque part. Jamais. Quand tu regardes quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore fini, quand tu n'as pas encore construit, tu n'as encore rien fait,
Mais c'est toi qui es en train de chercher. Bon, dis-moi, tu as réalisé quoi? Et puis quand tu veux prier, tu dis à Dieu, non, Dieu l'a carrière. Non, non, Dieu va. Dieu va. Vous savez, Dieu est l'amour. Hein. Souvent même, il bénit les païens. Oui, quand un païen, oh non, vraiment, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu, bon, il est l'amour. Donc souvent, tu bénéficies des bénéfices. Mais pour dire que tu vas vivre dans la gloire de Dieu, là, tu, toi, c'est pas à cause de toi la gloire de Dieu va se salir. Hein. Jamais. C'est pas à cause de toi que la gloire de Dieu va revenir se salir. Écoute, Dieu dans ta nature. Et puis encore, il y a un certain nombre de choses qui sont là, qui t'acclament. La postérité de la femme va écraser la tête. Nous sommes cette génération-là. Le monde attend avec un ardent désir quoi? La révélation de quoi? Non, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Non, il y a... Le monde attend avec un ardent désir la révélation des chrétiens. Quoi? Ah non, on dit aujourd'hui à tout le monde à lire la Bible. Non, c'est pas la vie. C'est le frère Victor. Le frère Victor. Sois béni. Tu es mon homme. Tu es sûr que Dieu a dit que. Bon, l'apôtre Paul, il a dit que le monde attend la révélation des fils. Non, c'est pas fils qui est écrit. Et c'est vraiment fils qui est écrit. C'est vraiment fils. C'est vraiment fils. Ah, c'est écrit fils, hein. Mais toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Ah, tu es fille. Ah, tu as sa nature. Tu es sûr que tu as sa nature. Tu as cette nature-là en toi. Et puis, on dit, tu es maudit, et tu acceptes ça. Bon, bon, moi, je sais. On dit, le monde, là, c'est pas. C'est pour ça que ceux qui sont des liés de mon matin, midi. C'est pas eux que le monde attend. Parce que les gens qui sont encore liés, ils veulent. Vous-même vous mettez au combat. C'est-à-dire que vous êtes en train de monter aux autres que nous ici on n'a pas encore terminé le combat. Vous-même vous dites qu'on est en train de combat. Non, quelqu'un lui-même n'a pas encore fini de combat. Ah, c'est comme une fois il y a une servante de Dieu qui est venue me voir. Elle, ah, homme de Dieu, je suis dedans. Matin, midi, le soir, je ne lâche pas. Et puis maintenant, quand tu t'arrêtes pour prêcher, toi tu veux délivrer qui? Mais c'est elle qui est en délivrance. Hein. C'est pour ça que les démons ne font que berner d'église. C'est-à-dire qu'elle est là, et puis elle dit feu, les démons aiment ça. Quand tu dis feu, puis ils sont des agités. L'onction est là. Mon ami, ils sont des agités. Et puis ils sont des trompés. Un démon, quand tu es un fils de Dieu révélé, c'est même pas un pasteur. Tu le regardes droit dans les yeux. Est-ce que c'est Jésus qui est parti chercher fou des canards comme aujourd'hui nous-mêmes on s'en cherchait des morts? Viens. Viens. Allez. Quand tu mets ton pied quelque part, on sent qu'il y a quelqu'un qui a atterri là. On sent que tu as déposé tes pas là. Tu arrives d'un boulot, tu dis que tu es enfant de Dieu, on te chasse. On te chasse, hein? On te renvoie. Et puis toi tu viens. C'est pour ça parmi les malédictions, écraser la tête, on ne voit pas ça. Comment malédiction? L'homme travaille à la chair des enfants. Hein. Elle disait ça. Elle disait ça. Elle disait qu'on doit travailler même à la chair. Elle disait ça. Mais tu ignores cette promesse. C'est pour ça que quand tu me dis non, je suis, moi je ne suis pas maudit. Parce que si Dieu n'avait pas résolu cela, il n'allait pas mettre cela dans sa parole. Il n'allait pas mettre cela dans sa parole. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, une personne qui est issue d'un père ou d'une mère qui a maudit ta vie ce matin, avant 6 heures, cette personne va se retrouver avec toutes ses malédictions devant sa porte. Écoute-moi. Actuellement, vous avez bien fait de venir ici. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, il y a un esprit de mort qui est en train de circuler très terriblement. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que les événements sont en train de se passer. Moi, je suis évangéliste. Heureusement, les histoires de prophétie, ce n'est pas parce que c'est depuis l'année passée. Le Seigneur est en train de nous avertir d'un certain nombre de choses qui allaient arriver. Il y a un grand esprit de mort qui est déjà relâché depuis fort longtemps. Il y a des personnes qui tombent malades bêtement actuellement, qui tombent malades. Et ça brûle partout. Les gens ne sentent plus le goût, les gens ne sentent plus l'odeur. C'est ça. C'est pas fait de corona. Il y a un esprit qui a été relâché et qui est en train de se manifester. C'est-à-dire qui est en train de mouvoir. Mais c'est normal parce que le diable doit agiter sa queue. Pour que nous puissions comprendre et écraser sa tête. Yes. Mais pendant ce temps, tu es en train de dormir. Pendant ce temps, tu es en train de dormir. Regarde, il y a quelqu'un qui est dedans. 4 heures, il ne dort pas.
4 heures, pendant que toi tu dors là, actuellement là, c'est-à-dire Satan te dit dors. Mais toi, toi tu dors. On n'a pas eu de chasser de mots, on dit commande le matin. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces sur ta vie? Quelles sont les choses que tu dis sur ta vie? Parce que c'est ce que Jésus a déjà fini de faire. C'est sur ça que tu t'appuies. Je suis la tête et non la queue. Ça, c'est ce que tu as dit. Le diable te présente la réalité, mais il ne te présente pas la vérité. Parce que c'est seulement Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. À part Jésus, là, aucune personne ne peut te dire encore la vérité sur cette terre. Il y a une fille qui est venue me voir une fois, elle dit, non, maman, papa, je suis parti à l'hôpital. On m'a dit, non, que j'ai un début de cancer. J'ai dit, cancer. Quand on me dit, attends, cancer. Ah, ma fille, c'est pas lourd dans ta bouche. Un homme peut analyser même non cancer. C'est comme une fois on priait pour quelqu'un, il y a drépanocytose. Et puis j'avais un gars là, il dit, mais ça c'est le nom d'un démon ça. J'ai dit quoi? Drépanocytose. Il dit, c'est pas lourd dans ta bouche. Je dis, si tu crois à la réalité que les docteurs t'ont dit, ça va s'attacher à toi. Mais la vérité me dit de te dire qu'il a déjà guéri tes maladies. La vérité me dit de te dire ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, il est en train de changer l'histoire de ta vie. La vérité me dit de te dire ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir à la table du roi. La vérité me dit de te dire ce matin que la malédiction, quelle malédiction qui pèse sur toi. Bon, qui croit qu'il y a une malédiction qui pèse sur sa vie ici? Lève d'abord ta main, Non, si tu n'es pas honte, on brise ça. Je vais enlever ça en même temps. Qui croit? Faut que tu commences à parler, donc chacun se range déjà. Je suis fils de Dieu. Tu es 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 fils de Dieu. Tiens-toi debout comme un fils de Dieu. Non. Ça c'est pas. Fils de Dieu ne peut pas se lever comme ça. À quatre où les fils de Dieu, les filles de Dieu. Ici, ton esprit de moi sont en train de quitter dans leur vie.
Ils ont mis l'esprit des morts dans votre fils afin que vous n'arrivez pas à voir un certain nombre de choses s'accomplir. Pendant que je suis en train de parler, cet esprit va vous quitter. À cet instant possible, pendant que je suis en train de parler, cet esprit va te lâcher très fortement. Parce que la main de Dieu va agir dans ta vie. S'il te plaît, continue de m'accompagner. Continue de m'accompagner. Parce que la main de Dieu est déjà dans la foule là-bas. Je sens une forte grâce de Dieu. Il y a un feu qui est en train de libérer ces personnes. Il y a un feu qui est en train de libérer ces personnes. Il y a un feu qui est en train de libérer ces personnes. C'est des personnes dont l'esprit de mort est en train de fatiguer. Regarde, je compte à toi. Et pendant que je compte, cet esprit-là quitte définitivement. Il y a un esprit de non-accomplissement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, l'entrée de partie. Il va lâcher ton cœur ce soir. Il va lâcher ton cœur ce soir. Écoutez-moi. On va continuer dans Osam au centre là. Il y a cinq personnes. Il y a cinq personnes ici précisément. C'est cinq personnes. Je vois comme une personne qui les tient. Et cette personne qui les tient là est en train de prononcer des paroles négatives. Attendez, s'il vous plaît. Accompagnez-moi selon parce que nous sommes en train de travailler d'un fort. Et si les gens n'entendent pas ce que je dis, ça me fatigue. Il y a cinq personnes dont le Seigneur est en train de libérer maintenant. Je veux la main de Dieu se déposer sur elle. Je veux la main de Dieu ici, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde soit. Attrape-la bien parce que ça, c'est quelque chose de fort qui doit quitter sa vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est dans cette vie. Pourquoi est-ce que tu es dans cette vie? Pendant que je suis en train de parler, cet esprit-là va te relâcher. Avec une force, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit de Dieu. 1, 2, 3, lâche sa vie maintenant. Pousse tes cris et pars maintenant. Pousse tes derniers cris et pars maintenant. Pousse tes derniers cris et pars maintenant. Regarde, reçois ta liberté, chasser ces démons rapidement parce qu'elle doit revenir. Il y a des manteaux qui doivent tomber sur nous tout à l'heure. Tu ne demandes pas que ceux que l'ennemi s'attend à l'éparpiller puissent rater le manteau qui est en train de tomber. Il y a une force grâce de Dieu. Viens ici. Il y a des esprits qui doivent quitter ici. Par la force de l'esprit de Dieu, pendant que je suis dans ce monde, je sens un mouvement vers ici. Ce mouvement est en train de traverser avec un feu qui est en train de changer les plans de vie. Ces personnes qui devaient toucher, s'il vous plaît, faites très attention. Parce qu'il y a un feu qui est en train de traverser ici. Regarde. Allez-y avec elle. Attendez s'il vous plaît. Il y a une personne, qui doit servir Dieu. Ils doivent servir Dieu ici, mais il y a des choses qui sont derrière. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train maintenant d'opérer une grande délivrance. C'est comme des choses qui étaient mises sur les yeux, ils n'arrivaient pas. Mais pendant que je suis en train de parler, cette délivrance est en train de s'opérer. Regarde, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu.
Regarde, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Regarde, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette chose est en train de s'opérer. Envoyez-la rapidement. Écoute-moi.